Donc psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassaisirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut.
Bonjour à chacun de vous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous invite à prier avec moi pour commencer ce message. Et notre Seigneur, te disons merci pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir te louer ce matin, de pouvoir nous attendre à toi, de savoir que tu es là pour nous bénir, nous faire grandir dans ta connaissance, la connaissance de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur, qui a donné sa vie sur cette croix pour nous. Nous prions que tu disposes nos cœurs, Seigneur, à être nourris par toi. Nous avons confiance, Seigneur, de ce que tu produiras en nous, ce que tu veux par ton esprit. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons donc ce matin notre série dans l'épître de Paul aux Romains, Romains chapitre 8, que nous avions commencé. C'est la troisième fois que nous le faisons ce matin. Et nous avons vu que ce chapitre est tout simplement magnifique. C'est vraiment, je répète encore, c'est le plus haut sommet, si vous voulez, de la Bible, qui nous montre tout l'amour de Dieu dans toute sa splendeur. Et ce que je veux ce matin, c'est vraiment le partager avec vous, pour que vous soyez encouragés dans votre foi. Il n'y a aucune condamnation pour vous, dit l'apôtre Paul, dit le Dieu de l'univers. Je suis entièrement pour vous. Pour preuve, je vous donne mon esprit, je vous donne une nouvelle vie par l'esprit. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Ensuite, je fais de vous mes fils et mes filles d'adoption. C'est ce que nous allons voir ce matin. Je vous fais passer de la condition d'esclave à l'état de fils établi dans la maison, avec tous les privilèges qui vont avec. Et c'est ainsi que je suis complètement pour vous, dit le Seigneur. Je vous aime. Il n'y a pas lieu de douter de mon amour pour vous, qui est en Jésus-Christ. Je vous invite à lire avec moi les versets 15 à 17 de Romains 8. Pour plus de contexte, nous allons commencer au verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés. Nous avons deux choses que nous allons essayer de voir ce matin, nous allons essayer de comprendre. Et la première chose que nous allons essayer de comprendre n'est pas exactement dans le texte, comme le texte le présente, mais pour le comprendre, il va falloir s'arrêter un moment et comprendre ce que c'est que la doctrine de l'adoption. Qu'est-ce que la doctrine de l'adoption? La vérité que Dieu adopte des croyants comme ses enfants. C'est ça le premier point que nous allons voir ce matin. Et ensuite, après avoir vu ça, nous allons voir un deuxième point qui est au sujet du texte même. Qu'est-ce que l'esprit d'adoption? Le texte nous dit que Dieu nous donne l'esprit d'adoption, cet esprit d'adoption qui vient de Dieu. C'est parce que c'est une chose d'être adopté par Dieu, mais c'en est une autre de vivre selon l'esprit d'adoption. Et c'est vraiment ce que nous allons voir ce matin. Et sans tout de suite, sans perdre de temps, on va commencer avec quelques petites précisions pour comprendre réellement ce que c'est que d'être adopté par Dieu, ou bien ce que ce n'est pas. Quelques précisions. Dans la première précision, c'est que pour être adopté par Dieu, hein, le mot adopté, si Dieu nous adopte en tant que croyants, ça veut dire tout simplement que tous les humains ne sont pas enfants de Dieu. Tous les êtres humains ne sont pas enfants de Dieu. C'est la première chose à préciser avant de commencer ce matin. Parfois, on le sous-entend
Ou bien, peut-être parfois, on peut le voir sous l'angle créateur-créature. Oui, sous cet angle, on peut dire que dans un sens, nous sommes tous des enfants de Dieu. Dans ce sens limité. Mais la Bible ne parle jamais comme ça. Un jour, le Seigneur dit ceci. Il est en train de parler aux Juifs très pieux de l'époque, les pharisiens. Et Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, sous-entendu, il ne l'est pas. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Chacun de nous ce matin a une famille. Vous avez une filiation qui est physique, vos parents biologiques, mais vous avez aussi une filiation qui est spirituelle. Vous avez une famille spirituelle. De quelle famille êtes-vous? De quelle famille êtes-vous? Si vous n'êtes pas de la famille de Dieu, alors vous êtes de l'autre famille. L'autre famille, celle dont le père, c'est le diable. Conscient ou non, vous servez ses intérêts. Il n'y a pas de neutralité. Il y a toujours une ressemblance familiale. Vous vous conduisez selon les mœurs de cette famille. Et la Bible nous dit que nous avons tous été carrément un jour enfants du diable. Tous, sans exception. Avant que nous soyons adoptés par Dieu, notre Père. D'accord, c'est la première précision. Et la deuxième chose à préciser, c'est que si vous voulez être enfant de Dieu, il faut le devenir un jour. Il faut le devenir un jour. Et comment? Par la foi en Jésus-Christ, le Sauveur. Et ça, la Bible nous le dit de manière très claire. On peut lire ainsi dans Jean, chapitre 1. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il y a un moment où je suis devenu enfant de Dieu. Il y a d'autres passages qui disent la même chose. Par exemple, dans Galates 3, on a Paul qui nous dit que vous êtes enfants de Dieu, vous qui croyez en Jésus-Christ. D'accord? On devient enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu physiquement, on devient. La troisième précision, c'est que ce n'est qu'en vertu de l'œuvre de Christ, de ce que Christ a accompli, que l'on devient enfant de Dieu. Et c'est normal. Ça ne se mérite pas d'être enfant de quelqu'un. J'espère, j'imagine. Quoique le péché a tellement détruit aujourd'hui certaines familles, au point où les enfants sont obligés de mériter la faveur des parents pour exister. Malheureusement, ça existe dans certaines familles. Mais ça ne se mérite pas d'être enfant de quelqu'un. C'est contre le principe même de relation filiale. Mais Dieu a dit à Jésus, « Tu es mon fils bien-aimé, je ne te mettrai jamais dehors, je ne te mettrai jamais à la porte. Tu es ma famille. » Et ce Jésus nous a pris en lui pour que nous ayons les mêmes privilèges que lui. Et c'est pour cela que Paul dit ceci. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son fils né sous la loi, né d'une femme, afin de racheter ce qui était sous la loi pour que nous recevions l'adoption. En d'autres termes, Dieu a envoyé le fils pour que nous devenions fils. Donc même si vous ne comprenez pas tout ce matin, retenez la chose la plus importante, c'est que si vous êtes fils et fille de Dieu ce matin, c'est parce que Christ est le fils bien-aimé de son Père. Il est le fils bien-aimé de son Père. Vous êtes en lui, vous êtes attaché à lui, vous êtes unis à lui. Et ça fait de vous des enfants de Dieu. Vous avez le même statut, vous avez la même position que Christ par rapport à Dieu. Parce qu'en croyant, vous êtes unis
au Fils. Ce n'est pas magnifique tout ça? La même position que Christ par rapport à Dieu, le Père. La dernière précision, avant de rentrer réellement dans le texte, c'est que l'adoption est bien plus grand encore que le fait d'avoir été justifié. Être adopté par Dieu est encore plus grand que le fait d'avoir vos péchés pardonnés. Malheureusement, souvent, en tant que chrétien, on se limite à la justification, on se limite au pardon des péchés. Dieu m'a pardonné et on concentre toute la vie chrétienne dessus. Mais ce n'est pas assez. Mais Dieu a fait bien plus que nous pardonner, tout simplement. Il a fait de nous ses enfants. Il nous a fait rentrer dans sa famille. C'est ça qu'on appelle l'adoption. Le juge vous déclare juste, mais ça ne veut pas dire que le juge vous amène chez lui et vous traite comme son enfant. Vous êtes en règle avec le juge sans avoir tous les privilèges du fils du juge. Vous êtes traité et considéré seulement en vertu de la loi et pas plus. Mais Dieu a fait bien plus que ça. Il a fait de nous ses enfants. Et c'est une bénédiction beaucoup plus glorieuse d'être non seulement un serviteur juste, mais d'être un fils bien-aimé dans la maison de son Père. Et je suis convaincu que ni vous, ni moi, n'avons réellement commencé à mesurer la grandeur de ce que c'est que d'être un fils, une fille du Dieu éternel. Et j'espère que ce matin, nous serons vraiment encouragés à voir la vie chrétienne de cette manière, de ce que nous avons tellement de privilèges d'être enfants de Dieu, que Dieu nous a tellement beaucoup plus aimés que simplement effacer notre dette et aller au-delà. Et sans plus tarder, nous allons au deuxième point, la doctrine de l'adoption. Quelle est la nature de la doctrine de l'adoption? Est-ce que vous avez déjà assisté à un acte d'adoption? On est au tribunal. C'est pas un tribunal pénal où on sanctionne, mais c'est plutôt un tribunal pour des questions de justice, pour des questions civiles, qui touchent aux questions civiles. Il y a un enfant qui est abandonné, et puis il y a un couple qui arrive, ils sont tombés amoureux de cet enfant. Ce jeune couple veut absolument cet enfant. Ils sont complètement épris par ce bébé. Ils veulent l'avoir comme leur enfant. Ils viennent devant le juge et ils prêtent serment. Nous jurons que toujours, nous l'aimerons toujours cet enfant, que nous prendrons soin de lui, que nous le guiderons et que nous le garderons près de nous pour toujours. Il multiplie les promesses et finalement le juge accepte. Et désormais, cet enfant est comme un fils né dans la maison. La même chose, il n'y a pas de différence. L'adoption est un acte légal. C'est un acte légal, c'est un acte par lequel Dieu rompt et supprime toute liaison avec l'ancien père, Satan. Il vous emmène dans sa famille comme un enfant. Il vous compte au nombre de ses enfants et il vous donne tous les privilèges d'un fils et d'une fille à lui. Et quels sont ces privilèges des enfants de Dieu? Parce que s'il n'y a pas de privilèges, ça ne vaut pas trop la peine d'être enfant. Si le fils du patron est traité comme un serviteur, il n'y a pas tellement d'avantages à être un fils de la maison. Quels sont ces privilèges? Quels sont ces avantages? La confession de foi de Westminster, qui est un ensemble de vérités de foi qui ont été rédigées au XVIIe siècle, répond à cette question. Et on peut lire ceci dans cette confession. Son nom est mis sur eux. Ce sont les avantages et privilèges d'un enfant de Dieu. Son nom est mis sur eux. C'est comme un changement d'identité. Ils ont une nouvelle identité. Ils reçoivent l'esprit d'adoption, s'approchent avec assurance du trône de la grâce et peuvent s'écrier « Abba Père, Papa ».
et ils sont objets de la compassion, de la protection et du secours de Dieu. Et j'ai envie de dire de la compassion paternelle, de la protection paternelle et du secours paternel de Dieu. S'ils sont châtiés par lui comme un père, ils ne sont cependant jamais rejetés, mais scellés pour le jour de la rédemption. Ils héritent des promesses en tant qu'héritiers de la vie éternelle. Et ça, c'est seulement un petit résumé des réalités transcendantes que constitue l'adoption en tant qu'enfant de Dieu. C'est juste un petit aperçu de tous ces privilèges que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Et maintenant, on a essayé de définir ce que c'est en gros cette doctrine de l'adoption qui fait de nous les enfants de Dieu. Et maintenant, nous allons passer au dernier point, essayer de comprendre réellement le texte. Dieu nous donne son esprit d'adoption. Qu'est-ce que Paul veut nous dire lorsqu'il dit que Dieu nous donne son esprit d'adoption pour que nous marchions par cet esprit d'adoption? Pourquoi l'esprit d'adoption? Il ne suffit pas d'être enfant de Dieu et être membre de sa famille. Il faut que nous ayons la même nature que papa. Il faut que nous ayons la même nature que papa. Tel père, tel fils, telle fille. Il faut que vous ayez l'assurance d'un enfant vis-à-vis de son père. Les aspects d'un enfant. C'est ce que l'Esprit de Dieu va accomplir en nous tout au long de notre vie chrétienne. Nous donner les instincts d'un enfant vis-à-vis de son père. Donc nous allons relire à partir du verset 15. Et Paul nous dit, « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». À quoi est-ce que Paul fait référence lorsqu'il parle de l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte? Certainement, Paul parle ici d'avant la conversion, avant qu'on ne soit chrétien. Peut-être êtes-vous passé par cette expérience, vous étiez dans la crainte, vous étiez dans un esprit de servitude, d'esclavage, de culpabilité. Ce moment avant de connaître la grâce de Dieu où l'esprit commençait à travailler en vous, avec sa loi. Vous aviez conscience que vous étiez pécheur. Vous saviez que vous étiez coupable et condamné. Vous aviez un esprit de crainte. Et peut-être même vous avez essayé quelque temps de gagner la faveur de Dieu en essayant d'obéir parfaitement à sa loi. C'était un esprit d'esclavage. Un esprit d'esclavage. Si je ne fais rien, qu'est-ce qui va m'arriver ? Si je ne fais pas bien ce que je dois faire, qu'en sera-t-il de moi? Vous aviez cet esprit, c'est un esprit de servitude dont Paul parle ici. Et c'est vraiment un passage au salut. Mais par la conversion, Dieu a tout changé. Vous n'êtes plus dans cette espèce de rapport avec Dieu que vous aviez avant. Au moment où vous étiez travaillé, ce n'est plus pareil. Vous n'êtes plus craintif. Une crainte servile. Mais vous avez plutôt reçu un esprit d'adoption. C'est vraiment important que Paul nous le rappelle ce matin, parce que c'est l'objectif principal du diable. C'est l'objectif principal du diable de dérober cet esprit qui est le vôtre. Si cet esprit filial qui fait de vous des enfants de Dieu, c'est son objectif de le dérober. Si le diable arrive à vous enlever cela, il arrive à vous enlever le fait que vous êtes un enfant chéri de Dieu dans la maison de votre père. S'il arrive à vous faire retrouver une attitude de haine, de servitude par rapport à Dieu, alors il a gagné. Il a gagné. Pas que vous allez perdre votre salut, parce que personne ne peut vous l'enlever, votre salut, mais votre vie chrétienne sera complètement endommagée, bien affaiblie. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans cette sorte de crainte. L'esprit qui est le vôtre est l'esprit d'adoption, l'esprit filial. Une petite illustration, si vous me permettez. Il y a bien longtemps, un esclave dans la maison de son maître, un grand maître qui était très puissant, et cet esclave avait une sorte d'esprit. Chaque fois qu'il arrivait le matin pour travailler,
Il avait une certaine attitude parce qu'il sait que son maître, c'est le grand patron. Et sa position dans la maison est gagnée seulement en faisant bien son travail. S'il fait bien son travail d'esclave, il garde sa position dans la maison. C'est seulement en accomplissant son travail de serviteur qu'il peut avoir la faveur du maître. Il sait que le maître de la maison lui-même le regarde de cette manière. Comme un esclave, comme un employé, il sait que le maître est en train de le regarder avec les yeux d'un superviseur, d'un évaluateur, si vous vous permettez le mot, d'un inspecteur. Et il est toujours en train de l'évaluer. S'il ne fait pas assez bien son travail, il va être renvoyé. Donc, il vit avec un esprit de servitude. Il sait qu'il peut tomber dans la désapprobation du maître. Il sait que sa position dans la maison n'est pas invincible, n'est pas inattaquable. Et c'est ça le problème, la crainte. Un jour, notre Seigneur dit cette petite phrase étonnante. Il dit, « L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils y demeure toujours. » L'esclave n'a pas sa place garantie dans la maison. Le fils, au grand jamais, le sera mis dehors. Maintenant, continuons à visiter cette maison de cet homme puissant, de ce maître puissant. Il se trouve qu'il a un fils. Il a un fils dans la même maison. De quel esprit est ce fils? Quelle est l'attitude de ce fils lorsqu'il pense au maître de la maison? Quelle est son attitude? Il ne pense pas du tout de la même manière que l'esclave, mais pas du tout. Quand il pense au maître de la maison, il pense « papa ». C'est tout. C'est, pour lui, le maître, c'est quelqu'un de complètement différent. Quand il réfléchit à comment est-ce que le maître de la maison me regarde, il n'a pas la même pensée que l'esclave. Ils n'ont pas les mêmes problèmes. Tout ce qu'il se dit, c'est... il ne se dit pas « papa me regarde, m'évalue ». Si je ne fais pas assez bien, je serai mis dehors. Non, pas du tout. C'est papa, il n'y a rien à ajouter. Il ne vit pas dans la crainte de devoir quitter un jour la maison, la famille, parce qu'il n'a pas accompli ses devoirs. Mais moi, je suis le fils, j'appartiens ici. J'appartiens là. L'esclave, ce n'est pas chez lui. C'est un étranger qui est venu pour des tâches. Pour des devoirs, sa relation avec la famille ne se définit qu'en termes de devoirs et de tâches. Ma relation ne se définit pas en termes de devoirs dans la maison de mon père. Je suis le fils, c'est papa. Même si papa doit me châtier parfois, il ne peut jamais me mettre dehors. Je suis enfant de la maison. Il dit, tu es mon fils, ma fille. Dis le Seigneur, chair de ma chair, os de mes os, tu es tout pour moi. L'esclave n'est pas tout pour moi. C'est un employé. Je fais tout pour toi parce que tu es mon héritier. Je fais tout pour toi parce que tu es mon héritier. Tout ce que j'ai est à toi. Dis le Seigneur, voilà l'attitude, l'esprit avec lequel vit ce fils dans la maison de son père. C'est l'esprit d'adoption que reçoivent tous les chrétiens. Et maintenant, comment est-ce que l'esprit d'adoption œuvre concrètement dans nos vies? Comment est-ce qu'il va travailler dans nos vies? Verset 15. Il va nous donner les instincts d'un enfant. Vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Papa !»« Abba Père !»« Papa !» C'est assez intéressant parce que l'expression « Abba Père », c'est deux langues complètement différentes. « Abba », c'est araméen qui signifie « papa ». Et le deuxième mot, « père », c'est du grec « pater » qui signifie tout simplement « père ». Deux expressions. Donc Paul utilise l'araméen parce que c'est sa langue de cœur. Il parlait couramment les deux langues. C'est sa langue de cœur, c'est normal pour lui de dire papa en sa langue maternelle. Et puis il explique aux Grecs de Rome, de l'église de Rome, ce que ça veut dire pater, papa.
Mais Abba Père, ce thème était vraiment utilisé à l'époque par pratiquement tous les enfants. C'était normal à l'époque d'utiliser ce thème pour appeler à son père, mais jamais, mais vraiment jamais pour parler de Dieu. Dans le Talmud, qui est un commentaire de l'Ancien Testament qui était très connu des Juifs à l'époque, le Talmud, on peut lire ceci. Quand un enfant expérimente le goût du blé, c'est-à-dire quand il est sevré, il apprend à dire « Abba et Ima », c'est-à-dire « Papa et Maman ». C'était très répandu à l'époque. Et il y avait même une loi parmi les Juifs qui interdisait aux esclaves d'appeler le maître de la maison « Abba ». Ils n'avaient pas le droit. L'esclave n'avait pas le droit d'appeler le maître « Papa ». Ce n'était pas possible. Et un grand théologien du Nouveau Testament, d'origine allemand, Joachim Jeremias, il s'appelle, il a fait une étude importante, si vous voulez, au XXe siècle, sur la question de Abba Père. Et il a lu, lui et tous ses assistants, pratiquement toute la littérature de l'époque de Jésus et des quelques siècles qui autour de l'époque de Jésus pour essayer de voir si on s'adressait à Dieu de cette manière en disant Abba. Ils ont vraiment lu, ils ont cherché pour essayer de comprendre si ça se faisait à l'époque par les Juifs. Et il n'a trouvé aucune occurrence dans toute la littérature juive où on appelait Dieu Abba. Jamais. Et dans un de ses livres, on peut lire ceci. Il dit ceci. Il dit, j'ai examiné la littérature de prière du judaïsme tardif, c'est-à-dire à l'époque de Jésus, une littérature large, riche, trop peu explorée. Le résultat de cet examen était que en aucun endroit dans cette littérature immense, on ne trouve l'invocation de Dieu comme Abba. Jamais le juif ne pouvait appeler Dieu Papa. Et j'ai fait une petite expérience cette semaine. J'ai examiné les 150 psaumes de la Bible, qui sont des prières. Ces 150 prières des psaumes, et on n'utilise jamais le mot Père ou Papa pour s'adresser à Dieu. Jamais. Même pas une seule fois. Un juif n'aurait pas osé appeler Dieu en disant Père ou Papa. Ce n'était pas possible. Sous la loi de Moïse, on avait encore un esprit de servitude. Mais Jésus priait toujours en disant « Abba, Abba, Père, Papa !» Sauf peut-être une fois sur la croix, quand il cite un psaume « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans le sermon sur la montagne, le Seigneur dit « Quand vous priez, dites « Notre Père ». Probablement, il le dit en araméen. J'imagine qu'il dit, quand vous priez, dites « Abinu », c'est-à-dire notre papa, notre papa qui est aux cieux. Nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Nous crions « Papa ». Pourquoi est-ce que nous crions « Papa » ? Il y a deux raisons pour lesquelles un enfant crie « Papa ». Soit il est tout simplement joyeux, content, ou tout simplement il est dans la détresse, surtout quand il est dans la détresse. Il crie « Papa !» C'est normal pour un enfant. Et je crois que c'est vraiment la détresse ici. C'est exactement la réaction de Jésus dans le jardin de Gethsémané. Tout tremblant, « Abba, Abba, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Papa, viens-moi en aide. » C'est la réaction naturelle d'un enfant vis-à-vis de son père. C'est les réflexes d'un enfant. De quelle manière parlez-vous à Dieu? Même si vous ne prononcez pas littéralement ces mots, de quelle manière parlez-vous à Dieu? Quelle est votre attitude vis-à-vis de Dieu? Avez-vous l'attitude d'un enfant vis-à-vis de son père? C'est ça qui montre que l'esprit d'adoption est en vous et que vous êtes fils et fille de Dieu. Est-ce que vous savez que dans les tranchées pendant la guerre, il y a des soldats athées qui commencent à être des hommes de prière? Des soldats athées qui ne croient pas en Dieu commencent à être des hommes de prière. On sait que dans toutes les guerres, ça arrive.
les soldats commencent à prier. Et comment est-ce qu'ils prient? Avec un esprit de fils? Non. Ô Dieu, si tu es là, aide-moi. Mais nous, nous ne croyons pas à un Dieu inconnu. Nous ne croyons pas à un Dieu inconnu ou un Dieu qui est simplement créateur. Mais nous crions au Dieu qui est devenu notre Père. Il y a une intimité qui n'existe pas ailleurs. C'est la grande différence. On est au supermarché maintenant et je vois un tout petit enfant qui se balade de rayon en rayon, comme ça arrive souvent, et il a perdu son papa. C'est horrible. Ça arrive souvent, mais c'est horrible pour les parents, n'est-ce pas? Il ne retrouve pas son papa. Alors, voilà ce que je vais faire pour retrouver le papa. C'est pas très bien comme solution, mais ça marche tellement bien que j'ai envie de dire que la fin justifie les moyens. C'est un peu méchant. Voilà ce que je vais faire pour que cet enfant retrouve son papa. Alors, je vais vers lui, je le regarde avec un visage un peu méchant, et je lui dis, « Je vais t'attraper, petit enfant !» Et vous savez ce qu'il va faire? Il va crier, « Papa !» C'est naturel, et tout de suite, son père va sortir des rayons, et il va retrouver son fils. Je voulais juste vous redonner votre enfant avant de me prendre une bonne droite. Mais c'est naturel chez l'enfant. C'est comme ça, l'enfant. Quand il est dans la détresse, c'est l'instinct d'enfant qui surgit. Papa, Abba. Quand l'enfant est dans le besoin, son naturel prend le dessus. Sa réaction naturelle, c'est de crier Papa. Et c'est ce que Paul veut dire ici. Vous êtes comme ça. C'est une manière par laquelle Dieu vous montre que vous êtes un enfant de Dieu. Vous avez donc ce sentiment de liberté auprès de Dieu que seul un enfant de Dieu peut avoir. Dieu est pour nous, chers frères et sœurs. Il nous a donné son esprit d'adoption. Si je peux me permettre une autre illustration, voilà un grand PDG d'une multinationale implantée en France. Et ce grand patron est complètement révéré par tout le monde autour de lui, tellement il est puissant. Il est difficile pour un employé, même lorsqu'il est convoqué par le patron, par le grand patron, d'oser même frapper à la porte pour dire « je suis là », tellement cet homme est grand, tellement il est puissant. Mais cet homme a un fils, il a un tout petit fils, et un jour, maman arrive au bureau avec l'enfant, il se trouve que pendant la journée, il avait perdu une dent. Il éprouve le besoin de le dire à son père. Alors, à peine rentré dans le hall de l'entreprise, qu'est-ce que fait l'enfant? Il court, il passe le hall, et il passe la sécurité, il pousse la porte du bureau du papa, et il crie, « Papa, j'ai perdu une dent !» C'est juste hallucinant. Les gens n'osent même pas s'approcher. Mais pourquoi a-t-il un accès aussi facile et libre auprès de cet homme? Il ose venir comme ça devant le grand patron. Une seule réponse, c'est que cet homme est d'abord son père avant d'être le grand patron. Et c'est pareil pour le chrétien. C'est pareil pour le chrétien qui sait qu'il a un accès libre auprès de Dieu, du Dieu de l'univers. C'est tout simplement exceptionnel. Pour conclure tout ça, je pense que la maturité chrétienne est composée de deux éléments, de deux choses que nous devons constamment prendre en compte si on veut vraiment arriver à la maturité chrétienne. La première chose, c'est que nous devons grandir dans notre révérence par rapport à un Dieu grand et glorieux. Un Dieu qui est tellement transcendant, tellement élevé au-dessus de nous. Nous devons grandir dans cette révérence. Et la deuxième chose, c'est que la maturité vient par un sentiment croissant de notre relation filiale par rapport à Dieu, que nous sommes enfants, qu'il est notre Père. Si vous grandissez dans la révérence de Dieu en tant que grand Dieu, sans grandir dans votre sentiment de cet esprit filial qui fait que vous êtes enfant de Dieu, ça va être terrible pour vous. Ça va être terrible. Vous allez tomber dans un esprit de servitude.
Parce que vous ne voyez que ce grand Dieu, vous ne voyez que le grand patron. Vous allez tomber dans un esprit de servitude, c'est obligatoire. Vous ne verrez pas l'amour tendre et intime que Dieu a pour vous. Mais à l'inverse, si vous grandissez seulement dans votre confiance en Dieu comme votre Père, et vous ne voyez pas sa grandeur, vous ne voyez pas sa puissance, alors vous allez avoir une attitude légère et un manque de révérence par rapport à Dieu. Mais le chrétien, en grandissant dans ces deux choses, arrive à la maturité spirituelle. À nous donc de réfléchir à cette question d'être enfant de Dieu, de l'adoption, en tant qu'enfant dans la famille du Dieu de l'univers. Et je termine avec cette petite anecdote. Un jour, un théologien qui est bien connu, aujourd'hui, il a écrit pas mal de livres, et certains en français. Il était interviewé pour un poste dans une faculté de théologie, et les professeurs qui l'interviewaient lui ont posé une question, une question très, très simple. Hein. En quels termes pourrais-tu décrire ta relation avec Dieu? Une question qui est très pertinente. Il ne savait pas ce que ces gens voulaient savoir au début. Et puis, il a compris la question après. Et après avoir poussé un léger soupir, il a dit, « Je décrirai ma relation avec Dieu, je me décrirai dans ma relation avec Dieu comme un serviteur. » Oui, oui, aussi, comme un fils dans la maison de son père. Et ça change tout. Dieu est pour nous. Il nous a donné son esprit d'adoption par lequel nous crions. Papa, je vous invite à prier. Merci Seigneur de ce que tu es notre Père. Quel privilège de pouvoir avoir cette relation avec le grand Dieu de l'univers. C'est juste inconcevable pour nous de savoir que tu nous traites de la sorte alors que nous étions tes ennemis. Merci de cet accès que nous avons auprès de toi et nous prions que chaque jour tu nous fasses réaliser encore plus que tu es notre Père, que la relation que nous avons avec toi est juste d'une profondeur sans pareil. Donne-nous les instincts d'un enfant vis-à-vis de toi. Que nous dépendions encore plus de toi. Enlève-nous cet esprit de crainte que nous avions parfois, cette vieille nature que nous avons traînée peut-être jusqu'à aujourd'hui. Aide-nous, notre Dieu, à t'honorer en tant qu'enfant de ta maison. Que dans toutes nos prières, notre manière de vivre notre vie chrétienne, ce soit un enfant qui s'adresse à son papa. Merci notre Dieu de ce que chaque fois, chaque jour, chaque dimanche, tu nous conformes un peu plus à l'image de notre Seigneur Jésus, le Fils parfait, l'enfant toujours prêt à crier « Papa » parce qu'il s'attend à son Père. Nous sommes unis à lui, juridiquement, spirituellement, matérialise cela dans nos vies, concrètement. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh,
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai I'm